Qu'il avait prévu ce jour ici. His children, we have his children to live in this time today. Je crois qu'il y avait aussi attaché les bénédictions. I believe that all the blessings are attached on it. Pour que nous puissions les partager ensemble. For us to share it together today. Alors nous allons prier avant de commencer. Then we're going to pray before to start. Précieux Père Tout-Puissant. Je bénis ton saint et merveilleux nom de ce que, ô Seigneur Jésus, tu nous accordes l'opportunité de nous retrouver ici, dans ce corps de chair, ensemble, humain. Et nous savons, Seigneur Dieu, qu'il y a quelque chose qui nous réunit, Père. Yes. C'est ta parole. Amen. Nous sommes tes enfants, nous ne le sommes pas devenus aujourd'hui. Mais nous l'avions toujours été, Seigneur Jésus. Et la preuve de cela est que, Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes ici ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pour partager la parole, ô Seigneur Dieu, notre Père, que toi, tu nous as envoyé dans cet âge. Amen. Notre prière, Seigneur Dieu, est que tu gênes, que tu brises le pain de vie. Amen. Pour que
Dieu notre Père Céleste, la faim et la soif, ô Seigneur Dieu bien-aimé, de nos âmes pour cette satisfaction. Amen. Ô Seigneur Dieu, notre Père Céleste, je m'étais devant tes enfants, ô Seigneur Dieu, je ne peux pas en tant qu'homme, Seigneur Dieu, répondre à l'attente qui est dans leur cœur. Mais c'est toi qui peux le faire. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, c'est pourquoi nous attendons à toi. Et je m'abandonne moi-même entre tes mains, Seigneur Jésus. Pour qu'à ce moment, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, qui est déjà dans la salle, qui a déjà béni la réunion, Seigneur, ô Dieu, notre Père Céleste, continue à répandre davantage de bénédictions. Qu'en sortant d'ici, Seigneur Jésus, nos âmes puissent crier à l'ennemi et t'aimer davantage de rien. Merci Seigneur, que tout se passe pour la gloire de ton nom, yes, tel que toi tu l'avais déjà prévu des enfants de ce monde. Dans les noms merveilleux du Seigneur Jésus Christ, je l'ai demandé ici avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Lord bless you. Nous allons écouter quelque chose. Le pasteur me demande de me présenter. Je n'aime pas beaucoup me présenter parce que je vois qu'il en avait déjà parlé. Mais je viens de la Finlande, je suis pasteur Antoine. Finlande, pasteur Antoine. J'ai aussi une petite œuvre là-bas dont nous sommes en train de nous occuper. I've got my church there where we worship the Lord. Et notre église s'appelle New Life Tabernacle. Our church called New Life Tabernacle. Je suis vraiment content de voir Frère Clément qui est là. I'm really happy to see him. Qui est aussi dans mon église. It was my church. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre église. And then today we are in our church. Nous allons maintenant lire quelque chose dans la parole. Now we're gonna read something from. Je voudrais vous inviter à vous lever. I invite you to stand up. Pour honorer la parole de Dieu. To honor the word of God. Alors ce matin. And je veux que nous puissions lire à trois endroits dans la Bible. To read in three places in the Bible. Et nous prenons notre première écriture dans le livre de la Genèse. We take our first scripture in the book of Genesis. Nous lisons au premier chapitre. We read the first chapter. Juste le premier verset. Just the first verse. Il est écrit au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. It's written in the beginning God created the heaven and the earth. Et j'aimerais que nous prenions aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains. If we can take the New Testament in the book of Romans. Romains au chapitre 8. Romans chapter 8. Romains au chapitre 8. Romans chapter 8. Et nous allons lire à partir du verset 37. We're going to read from verse 47. Donc, lisons à partir du 28. Nous allons... So let us start from verse 28. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. And we know that all things work together for good to them that love. De ceux qui sont appelés selon son dessein. To them who are they called according to his purpose. Car ceux qu'il a connus d'avance, for what he did for now, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. He also did predestine to be conformed to the image of his son. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. That he might be the firstborn among many brethren. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Moreover, what he did predestinate, them he also called. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. And what he called, them he also justified. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. And what he justified, them he also glorified. Et nous allons prendre notre dernière écriture. We're going to take our last scripture. Dans le livre d'Apocalypse. In the book of Revelation. C'est une écriture à laquelle vous êtes très habitué. It's a scripture where you are familiar with.
Nous lisons au chapitre 10. We read in chapter 10. À partir du premier verset. From verse 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. And crying with a loud voice, as when a lion roars. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Et l'ange, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les sept tonnerres, elle ne l'écrit pas. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Et il jura par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that there are, and the earth and the things that there are, and the sea and the things which are there, that there should be time no more. Mais qu'au jour de la voix de cet ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. But in the days of this voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he had declared to his servants the prophets. Que le Seigneur ajoute les bénédictions de toute sa parole. May the Lord add the blessing to the reading of his word. Je vais juste parler de petit quelque chose, mais tout ce que je vais dire, le pasteur l'a déjà dit. I would like to just to speak about a little something, but everything I'm going to speak about, the pastor spoke about it. J'étais assis là-bas. I was sitting there. Pendant qu'il parlait là à l'école de dimanche. When he was speaking to Sunday school. Je me suis dit, mais il a tout dit. I said to myself that. He has said everything already. Tout ce que je pensais dire, il l'a dit. Everything I was thinking to say is said it already. Alors je crois que c'est le Saint-Esprit. And I believe that it's the Holy Ghost. Qui a voulu seulement vous parler de même chose aujourd'hui. That wanted to speak to you the same. Donc, je vais juste dire ce qu'il a dit. I'm gonna just say what he said already. Et je crois que c'est ça le message que Dieu voulait que vous entendiez aujourd'hui. I think that's the message what God wanted you to hear. Ça me facilite déjà la tâche. And it makes it easy for me. Parce que tout est déjà fait, tout est déjà dit. Because everything has been done and everything is done. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand nous avons lu notre première écriture ici dans le livre de la Genèse. I don't know if you've noticed something when we read our first scripture in the book of Genesis. La Bible commence. The Bible starts par dire. By saying. Et ça, c'est le tout premier verset de la Bible. And this is the first. The scripture, first verse of the Bible. La toute première écriture que nous trouvons dans la Bible. The first scripture we find in the Bible. Nous dit. It tells us. Au commencement. In the beginning.
Dieu créa nos cieux et la terre. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nous voyons ici we see here que la Bible nous prend à partir du commencement. That the Bible takes us from the beginning. Et au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? And in the beginning, what was there? Il y avait Dieu. It was God. Et ce Dieu-là, and that God, au commencement, in the beginning, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a créé le ciel. He created the heaven. Et il a créé la terre. And he created the earth. Donc nous nous retrouvons au commencement. Then we found ourselves in the beginning. Avec Dieu. With God. Avec la terre. With the earth. Et avec le ciel. And with heaven. Mais, but, là c'est le commencement. But there is only the beginning. Or, yeah. Nous savons que then we know that quand nous sommes au commencement, then when we are in the beginning, c'est qu'il y a eu quelque chose avant le commencement. That was that means that there was something. Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? What was there before the beginning? Il y avait there was la personne qui se trouve ici. There was the person who was standing there comme étant Dieu, as God. Qui était déjà là. Who was already there. Parce que because lui n'a pas de commencement. Because him, he doesn't have the et il n'a pas de fin. And he doesn't have the end. Comme il n'a pas de commencement. Because he doesn't have the beginning. C'est qu'au commencement, that means the beginning, lui, il était déjà là. In the beginning, yeah. Alléluia. Yeah. Parce qu'il n'a pas commencé. Because he doesn't, il a toujours été. Yeah, he was always there. Mais maintenant, but now, la Bible, the Bible, dans Genèse, in the book of Genesis, nous prend nous et nous ramène au commencement. Takes us in the beginning. Vous voyez ça? You see it? Et ce commencement là, and that beginning there, il, la Bible dit, the Bible says, que Dieu créa le ciel. That God created the heaven and the earth. Oh, nous savons. And then we know that le prophète de Dieu dit, the prophet of God says, que Dieu, but that God, c'est l'objet d'adoration. Is the object of worship. Ici au commencement, here in the beginning, il est déjà l'objet d'adoration. He is already the object of. Mais qui l'a adoré? But who worshipped? Parce qu'il crée le ciel. Because he created. Il crée la terre. And is created. Or la terre et le ciel, yeah, the ne peuvent pas l'adorer. The earth and the heaven. Pour être Dieu. Worshiping. For him to be God, il devrait être adoré. He must be worshipped. C'est que ici au commencement, that means here in the beginning, on l'adorait déjà. He was worshipped. Mais quand est-ce qu'on a commencé à l'adorer? When was he worshipped? C'est là que le prophète de Dieu. That's where the prophet of God. Il a fallu que le prophète de Dieu vienne. In that place, it must be the prophet of God. Il a fallu que Dieu nous envoie un homme. That's why God had to send pour nous amener. To take us. À ce que la Bible ne pouvait pas nous dire. That what the Bible could not tell us. Amen. Alléluia. Amen. Et il vient. And he comes. Il dit. He says. La Bible dit. The Bible says. Au commencement. In the beginning. Dieu créa le ciel. God created the earth and the heaven. Mais c'est Dieu ici. But that God. Il a existé avant le commencement. Was existing. Before the beginning. Et qu'est-ce qui était avant le commencement? What was there before the beginning? Le prophète de Dieu dit, the Bible, the au commencement, says, in the beginning, il y avait une grande fontaine. It was a big fountain. Au commencement, in the beginning, avant le commencement, before the beginning, avant le commencement, before the beginning, il y avait une grande fontaine. It was a big fountain. Et cette grande fontaine, and that big fountain, elle avait des attributs. And that big fountain has attributes. Elle avait une certaine nature. And the fountain had a nature. A certain nature. Je veux intituler ma petite prédication. I'm going to give the title to my sermon. Tel qu'il est. The way it is. Tel elle est. Amen. Ce qui nous sommes épouses. The way it is the way we are. Voilà. Us is by tel qu'il est, the way it is, tel nous sommes, the way that we are. Mais, but par la voie d'une alliance, but in the way of a covenant. C'est ça le petit titre que je veux développer. That's the title I'm going to develop today.
tel qu'il est, the way he is. Maintenant, nous voulons savoir. Now we want to know comment il est. How he is. Quelle est sa nature? What is his nature? Qu'est-ce qu'il est? Who he is. Pour que nous puissions comprendre. For us to understand. Ce que nous nous sommes appelés. For us to understand who we are really are. Parce que nous devons être. Because we have to be. Ce que lui il est. What he is. Maintenant regardez. Now look. Ce que lui il est. Look who he is. Le prophète de Dieu dit. The prophet of God says. Au commencement il y avait une grande fontaine. In the beginning there was a big fountain. Une grande fontaine. A big fountain. Et de cette fontaine. And from that fountain. Sont sortis. There came out sept esprits. Seven spirits. Amen. Et ces sept esprits. And those seven spirits. Étaient les sept attributs. Was the seven attributes. Qui manifestaient. Was manifesting. Ce que Dieu est. Was manifesting what God was. Nous voulons savoir. Now we know, we want to know. Qui est Dieu. Who God is. Quelle est sa nature. What is his nature. Pour que nous puissions savoir. For us to know. Nous, en tant que de chrétien. As Christians. C'est à quoi nous sommes appelés. That in what we are called. Nous sommes appelés à être quoi. We are. For what we are called to be. L'écriture que nous avons lue dans ce moment. The scripture. Nous montre que. Show us that. Nous devons être à son image. That we have to be. Être comme lui. To be like. Mais si nous ne connaissons pas. But if we don't know. Sa nature. His nature. Ce qu'il est. That, alors nous ne pouvons pas savoir ce que nous sommes. We never know who we are. Et regardez ce qu'il est. And watch who he is. Rabbi Amélie. Says. Dans le message Hébreux chapitre 1. In the message Hebrew chapter chapter 1. Du 21 août 57. Which is the 21st of August 59. Pouviez-vous vous imaginer qu'avant même qu'une terre existante, je n'ai pas écrit le temps officiel. Ok, pouviez-vous vous imaginer? Can you imagine qu'avant même qu'une terre existante, before even the earth to exist, avant qu'il y eut une lumière, before there was any light, avant qu'il y eut une étoile, before there was a star, avant qu'il y eut quoi que ce soit. Before anything to be there, il y a une grande fontaine. There is a big fountain qui est sortie de l'esprit, which is out from the spirit. Et de cette fontaine, and from that fountain, est venu l'amour. From good, there's a big fountain going forth of spirit, and out of the fountain came the l'amour le plus pur. Came the most pure of love. Car because il n'y avait rien qui pouvait venir de cela. Because there was nothing for it to et come from that l'amour. That bad love. Vous voyez donc cette grande fontaine. Now you see that big fountain of love. Dans cette grande fontaine là. That big from that big fountain. Il y avait l'amour. There was love, the love of God. Dans cette fontaine. From that fountain. Maintenant il dit. Now it says. Dans le question et réponse sur les Hébreux. In question and answer in Hebrews. D'ici octobre 57. 6 octobre 1957. Au paragraphe 822. Yeah. Il dit. It says. Au commencement. In the beginning. Dieu. God. Nous allons reprendre notre enseignement sur l'épître aux Hébreux. Now we're gonna start our notre enseignement sur l'épître aux Hébreux in the book of Hebrews pendant quelques minutes. For a couple of minutes. Dieu était cette grande source de sept couleurs. God was that big source of seven. Vous voyez ce qui était avant le commencement? You see what was in the beginning? Dieu était cette grande source. God was that big source. Aux sept couleurs. Of seven colors. Combien savent ça? How many knows about it? Voyez? You see? Et combien savent que Dieu a cet esprit?
Who knows that God has got seven spirits? Absolument. Absolutely. Sept esprits. Seven spirits. Et l'agneau avait sept yeux. And the lamb had seven eyes. Et ainsi de suite. And so forth. Maintenant. Now. Tous ces éléments. All those elements put them together. Vous voyez? You see? Oh, ça, c'est Dieu. And those elements they have got. Dieu, c'est quoi? God, who God is? Sept esprits. Seven spirits. Réunis ensemble. All put together. Qui faisait Dieu? That's what's making God. Qui exprime ce que Dieu that est? That's expressing what God et is. Nous allons voir. Now we're gonna see. Qui sont ces esprits? Who are those? Et c'est spirits? Cela qui va nous permettre. And that's what is gonna. De connaître qui that's est Dieu. That's gonna allow us to know who God is. Sept esprits. Seven spirits. Et réunis ensemble. All put together. Font Dieu. Made God. Oh Dieu. And God. Quand nous parlons de Dieu ici. When we are talking about God. À ce moment-là. At that time. Il n'est pas encore Dieu. He wasn't God yet. Parce que Dieu c'est l'objet d'adoration. Because God is the object of worship. Donc disons simplement. That, let us see. Qu'avant le commencement. That before the beginning. Là très loin. There so far. Il y avait une grande fontaine. There was a big fountain. Une grande fontaine à cette couleur. That big fountain of sunset. C'est ce qui était au commencement. That was in the beginning. You know, the sept grandes fontaines. And then from that seven, that big fountain. Le prophète de Dieu. And the prophet of God says. Cette grande fontaine a cette couleur. That big fountain of seven colors. Les couleurs qui faisaient cette grande fontaine. Those colors was making the, that big fountain. Sont exactement. Those they are exactly. Les mêmes couleurs. The same colors. Que nous voyons that we see reflecting itself. Dans l'arc ancien. The rainbow. Dans l'arc ancien. The rainbow. Et quand nous regardons l'arc ancien, and when we see the rainbow, nous voyons qu'il y a la couleur rouge. We see that there's a red color. Nous voyons qu'il y a la couleur orange. We see there's a orange color. Nous voyons qu'il y a la couleur jaune. We see the yellow color. Et nous voyons qu'il y a la couleur verte. We see the green color. Et nous voyons la couleur bleue. We see also the blue color. Nous voyons l'indigo. We see the indigo. Et nous voyons aussi la couleur violette. And we see the purple. Là. Cette grande fontaine in that big fountain est reflétée and is reflected l'arc ancien the big fountain the rainbow et chaque couleur and every color chaque couleur de cette grande fontaine every color of that big fountain reflétait reflect un attribut de Dieu reflect the attribute of God. Et ces sept attributs and those seven attributes réunis ensemble all put together voilà la personne all those seven qui a été appelé the person which was called au commencement in the beginning Dieu God le prophète de Dieu dit and the prophet of God says de cette grande fontaine from that good fountain et maintenant sorti quelque chose there was come out something. Cette chose-là, c'était quoi? That thing, what was it? C'était le logos. It was the logos. Un corps. Amen. Le logos. The logos. Un corps qui a a body. Un corps a body qui a la forme du corps humain. That a body which was which had a human form. Tel que nous sommes ici. The way we are. Notre forme ici. Our form here. Alors. C'est le gosse, ce logos là. And then that logos est sorti de la grande fontaine. Came out from the good fountain. Très bien, Marie. And Barbara says. Toute la grande fontaine. Barbara says all the big fountain. Toutes les sept couleurs. All the seven colors. Toutes les sept tous les sept attributs de Dieu. All the seven attributes of God. Sont entrés maintenant dans ce corps. They got that et Dieu maintenant a eu une forme. And God now had a form. Un corps. A body. Pour être visible. To be visible. Dans la nature. In the nature. Pour qu'on puisse le voir. Then we can see. Parce que cette grande fontaine. Because that big fountain. On ne pouvait pas la voir. No one could see. Avec nos yeux naturels. With his eyes.
Dieu maintenant voulait être visible. God wanted to be visible. Alors pour être visible, for him to be cette visible, grande fontaine that big fountain est devenue un corps. Became est a body. Entré dans un corps. And came into et un jour, and what day, un jour, what day, Moïse a dit, Moses said, je veux te voir. I want to see you. Je veux voir à quoi tu ressembles. I want to see what et Dieu l'a caché dans les rochers. And God hid him in the, behind the rocks. Et il est passé devant lui. And God quand Moïse a regardé, and Moses saw, il a vu son dos. He saw only il a his dit que c'était comme le dos d'un homme. And he said it was like the back of a human being. Vous voyez ce corps? You see that corps, that body. Ce corps là, that body, c'est la même chose. It's the same. Et la colonne de feu que that the pillar of fire you see there. Il peut changer. He can change. De forme. The form. Et prendre la forme. And take the form. De la colonne de feu. The form of the pillar. Et être une lumière. And to be a light. Amen. Praise God. Amen. Le même Dieu, the same God, la même grande fontaine, the same great fountain, maintenant, now, elle est dans un corps, is in the body, et elle peut être visible, and can be visible. Mais regardez les couleurs qu'il y avait. But watch the color you have. Le prophète de Dieu dit, the prophet of God said, dans une question-réponse sur les œuvres, question answer in Hebrews, sur les œuvres, deuxième partie, the second part, au paragraphe 383. Code number 283. 383. Il dit ceci. He says, et Dieu était ce grand esprit. And God was that great spirit. Nous l'avons représenté par les sept couleurs de l'arc-en-ciel. We presented him with the seven colors of the rainbow. Qui couvre? Which was covered. L'arc-en-ciel. The rainbow couvrirait la terre. We covered the earth. S'il ne venait pas toucher la terre. If it didn't touch the earth, ça pouvait être un cercle complet. It's supposed to be a cycle. Ça couvrirait. It's gonna cover la terre. All the earth. S'il ne venait pas toucher la terre. If it didn't touch the earth. Et de quoi est-ce que l'arc-en-ciel est composé? Which what the rainbow is made for? Quand nous voyons l'arc-en-ciel, when we see the rainbow appearing. C'est quoi? What is that? Cet arc-en-ciel que nous voyons dans le naturel, that's what we see naturally, est composé juste de gouttes d'eau. It's made only with water. Sur lequel, upon it, se reflète la lumière du soleil. Upon it reflect the. Ça nous sommes dans le naturel. Reflect the light of the sun. Nous sommes dans le naturel. It's only the natural side. Le deux éléments. The two elements pour que nous puissions avoir for us to have l'arc-en-ciel the rainbow dans le naturel in natural way, nous avons besoin de l'eau we need water et puis nous avons besoin du soleil and we need sun pas de la lumière d'une bougie not the light of pas de la lumière d'une lampe not a light pas cette lumière ici not this light elle peut frapper l'eau this one can il n'y aura pas l'arc-en-ciel. But it will never produce mais the il rainbow. Faut que ça soit le soleil. Amen. It must be only the sun. Ça, c'est dans le naturel. This one is only natural. J'insiste beaucoup yes. Pour que vous compreniez I'm saying that for you qu'il understand. Faut que ça soit le soleil. You understand that yeah. It must pourquoi be only est-ce que ça doit être le soleil? Why it must only parce be que le naturel because the natural purifie le spirituel. Le soleil que nous voyons ici est le type du véritable soleil the type of the qui lui aussi and va nous donner l'arc-en-ciel. Alors, and then, le prophète continue de dire, the prophet says, mais maintenant, now, comme Dieu est éternel, because God is eternal, et qu'il est ce qui est parfait, and it is what is perfect. Vous comprenez ça? You understand that? Dieu, God, donc, les sept couleurs, the seven colors, cette fontaine là qui est dedans, that fountain of water, elle est parfaite. It is perfect. Dieu est tout ce qui est de parfait. God is the only one is perfect. Et comme, yeah, because il était ce qui est parfait, because it is what is was perfect. Qu'est-ce qu'il était? What l'amour was the perfect
love. Je vous ai dit Amen. Que de cette fontaine-là, I told you, est sorti l'amour. Came out love. Et cet amour-là, and that love, c'est un amour parfait. It's a perfect love. Et vraiment, Marie, but what I'm saying is, et de cette fontaine-là, from that fountain, est sorti aussi la paix parfaite. Came out also the perfect peace. Il y avait aussi la joie parfaite. It was also the joy, the peace. Il y avait aussi la satisfaction parfaite. It was also the perfect satisfaction. Et tous ces sept esprits, all those seven spirits, tels que nous les trouvons dans l'Apocalypse, where we see qui sont sortis, those came out, c'est ce qui formait Dieu. That was forming God. C'était la perfection. It was the perfection. Mes amis, je vous dis ceci. My friends, I'll tell you this. Tel qu'il est, the way it is, tel qu'il est, the way it donc is, elle doit être. She must be ce que Dieu est. What God qu'est-ce qu'il est? What God is. L'amour parfait. The perfect love. La joie parfaite. The perfect joy. Il est la satisfaction parfaite. Perfect satisfaction. Et il est la paix parfaite. And is the ça nous fait peace. Déjà quatre esprits. It's making our, it's de ce sept esprit-là. From that qui forme Dieu. Which was forming God. Et nous pouvons aussi ajouter. And we can also add la fidélité ou la loyauté parfaite. We can also add the first perfect first school. Et cette fidélité. And that first ou la loyauté parfaite. Or loyalty, the perfect loyalty. Vraiment, Marie, but about c'est saying, ce qui amène les points. C'est que mec. Amène les points. That's what ça nous amène à une communion parfaite. That's what brings the believers in the perfect fellowship. Et nous pouvons aussi ajouter. And we can also add l'honnêteté parfaite. And perfect honesty. Et la justice parfaite and, ou la droiture. And also the perfect righteousness. Alors qu'est-ce que nous comprenons par là? What do we understand from there? Qui est Dieu? Who God is? Quelle est sa nature? What is his nature? Il doit être en nous. He must be in us. Quelle est sa nature? What is his nature? Pour que nous puissions être comme lui. For us to be c'est like que him. Sa nature doit être en nous. For me to, for us to be like him. Et qu'est-ce qui doit être en nous? What must be in us? L'amour parfait. The perfect love. La fidélité parfaite. The faithfulness. La joie parfaite. The perfect love. Et tous ces attributs de Dieu. All those attributes of God. C'est ça qui doit se trouver. It's what must be found in us. Si cela n'est pas en nous, if c'est que nous ne sommes pas tels que lui. That means we are not the way he is. Maintenant nous voyons qu'au commencement, avant le commencement, now we see before the beginning, il y avait ces attributs-là there was those attributes qui formaient Dieu. Those was forming et God. Il était là avant le commencement. And he was there before the beginning. Et quand il est devenu and when he came, le Logos, when he became the Logos, la colonne de feu, the pillar of fire, alors and then, c'est à ce moment-là and in that time, qu'il a voulu être adoré. And in that time, he wanted parce to be qu'en worship. Lui, because in him, il y avait cette chose-là. It, that thing il voulait there. Être adoré un jour. He wanted to be worshipped. Et vraiment, but c'est à ce moment-là that qu'il time, a maintenant créé le sang. Pour que les anges puissent commencer à l'adorer. C'est pourquoi nous voyons qu'au commencement, la Bible l'appelle déjà Dieu. The Bible calls it pourquoi God. Parce why? Qu'il était déjà adoré par le sang. Because he was already worshipped by angels. Voilà l'homme qui commence à créer. Then you see the Bible il commence, created. Il crée les anges. And it is, it started creating angels. Et il vient ici pour créer le ciel et la terre. And he comes here now to mais en lui, and heaven. And in en him, lui, in him, il voulait arriver à quelque chose. He wanted to reach something. L'adoration des anges ne suffisait pas. The worship of the angels. Parce que les attributs qui étaient en lui. Because the attributes which Dieu was voulait him, les exprimer. God wanted to manifest it. Dieu voulait exprimer ce qui était en lui. What God wanted to express. Alors quand il vient là-bas au commencement, and when was it? Après avoir créé le ciel et la terre. After creating the heaven. Vous connaissez and toute l'histoire and de la création. The story in the, comment il a commencé à créer par des petites choses. How he started creating jusqu'à ce qu'il est arrivé until au reaching, sixième jour the a créé maintenant l'homme and he created man. Et quand il a créé l'homme and when he created man, quelque chose qui était semblable à lui something which was et là maintenant il était satisfait
Il était maintenant satisfait. And God was satisfied. Il a maintenant accompli le désir de son cœur. And he fulfilled the desire of his heart. Parce qu'il voulait être sauveur. Because he wanted il voulait être guérisseur. He wanted to be a healer. Il voulait être le rédempteur. He wanted to be a redeemer. Comment est-ce qu'il pouvait le devenir? How could he become? S'il n'y avait rien qui devait le mettre dans les conditions which could put him in that condition, de s'exprimer comme il est. Where he could express himself the way he is. C'est pourquoi. That's why. Après avoir créé l'homme. After creating. Le prophète dit. The prophet said. Ça c'était son chef-d'œuvre. It was his masterpiece. De la création. The masterpiece of creation. Je regarde. God looked. Il dit, j'ai créé quelque chose. He said, I created something. Qui est semblable à which is in my own likeness. Maintenant. Now. La grande fontaine. The big fountain. Le logos. The logos. Qui était El Ela Elohim. Which was El Ela Elohim. Dieu. God. Maintenant disait. Je suis maintenant devenu Jéhovah. Now he says, now I am. Quand il a créé l'homme, il est devenu maintenant le grand Jéhovah. He became the great Jehovah. J'ai créé quelque chose. I created something. À partir de moi-même. For myself. J'ai maintenant ma famille. Now I've got a je family. Suis maintenant Jéhovah. I am Jehovah. J'ai aussi ma famille. I've got also. Vous savez, comme know, le prophète de Dieu dit, la raison pour laquelle the reason why nous avons nos enfants ici, we have all our children c'était here. Pour c'est pour que nous puissions avoir communion. It's for us to communion avec nos enfants. Et Dieu était là. And God was il there. Avait aussi envie de la communion. He had also the desire. C'est pourquoi. That the reason il why a créé l'homme. Pour qu'il puisse avoir communion. Après avoir créé, il le place. And he place il prépare le meilleur endroit pour lui. Il prépare le best place. Et le place là. And placed him. Comme ça, il peut commencer à descendre. And then he can come chaque soir. Every parler day avec ses enfants. To speak to his communier avec to eux. Fellowship with leur parler de sa parole. And to speak to et ses enfants étaient très heureux. Yeah. Dans une communion parfaite. Yeah. La fidélité parfaite. Yeah. La couleur bleue. La couleur bleue de Dieu. Amen. C'est cela qui nous permet that's what d'avoir la communion parfaite. Il était dans nos jardins. He was in the garden. Il était là. He was il était satisfait. Amen. Tellement satisfait. He was so satisfied. And maintenant je peux aller me reposer. He said, now I can go and rest myself. Maintenant je peux aller me reposer. Now I can rest. J'ai quelqu'un qui est comme moi. I've got someone who qui is me reflète. Who reflects me. Tel qu'il est. The way he is. C'est comme ça que moi je suis. Amen. Il faut qu'il reste là. Qu'il prenne soin. Il must take care de toute la créature. Of all creation. Dieu était très content. God was so happy. Praise God. Mais le prophète dit. But the prophet says. Quand il a créé là. Now when he created. C'est parce que son but à lui. Because the his purpose, comme nous avons lu dans Romains, the way we read in c'est qu'il nous voulait partager la vie éternelle. That's mean he wanted to share the eternal sa life. Sa vie éternelle, his eternal life. Il nous voulait la partager. He wanted to share it. Il voulait que ses enfants soient éternels. He wanted his children to be eternal. Qu'ils vivent éternellement. To live eternally. Comme lui-même il est éternel. The way he is eternal. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Now what did he do? Après avoir placé l'homme, after placing man, et la femme, and the woman, dans le jardin de Dieu, in the garden of Eden, Dieu dit, God said, mais, comment est-ce que je vais m'exprimer? Now say, how I'm going to express myself? Comment est-ce que je serai sauveur? How can I be a savior? Comment est-ce que je serai guérisseur? How can I be a healer? Je les vois là, ils sont heureux. I see you, they are happy. Ils ont la vie que je leur ai donnée. They've got the life I gave to them. Mais qu'est-ce que je vais maintenant faire? What can I do again? Qu'est-ce que je vais maintenant faire? What can I do? Et Frère Bamadi, and Frère Bamadi said, qu'est-ce qu'il a fait? What did he? Il l'a placé dans le jardin d'Eden. He placed in the garden of Eden deux arbres, two trees. Quel mystère! Oh, what a mystery! Deux arbres, two trees, dans le jardin, in the garden of Eden, à côté de ses enfants. Yeah, just beside à côté de ses enfants. Beside his tree. Écoutez ce que votre prophète dit. Listen what your prophet says. Yes, sir.
dans l'âge de l'église d'Éphèse, dans le livre de cet âge de l'église. In the Ephesian Church Age, in the exposition of the seven church ages. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Ok, that's fine. Ouais. Frère, on dit ceci. Paragraph says. Vous voyez que l'homme est là, la femme est là. You see, man tout is there. Est dans la perfection. The woman is there. Mais Dieu a placé deux arbres. But God placed two trees. À côté d'eux. Beside them. Maintenant, le prophète dit. And the prophet said. Arrivé là où nous en sommes. They are reaching the place we are now. Je voudrais fixer votre attention. I want to attract your attention sur ce sujet. On this subject. Et je veux aussi attirer votre attention. And I want also to attract your attention sur ce sujet. On this subject. Est-ce que vous me donnez votre attention? Yes. Yes. Écoutons notre prophète. Do you pay me attention? Il dit ceci. That's what your prophet says. Pour que vous puissiez voir for you to see pourquoi il nous était nécessaire why it was important d'aborder la doctrine de la semence du serpent to study the doctrine of the serpent seed comme je l'ai fait the way I did it. Nous commençons avec le fait we start with, écoutez maintenant with the fact. Nous commençons maintenant avec le fait we start now with the fact qu'il y avait deux arbres au milieu there was two trees in the middle of là où Dieu avait placé ses enfants. Nous, nous commençons enfin avec le fait qu'il y avait deux arbres that was two trees au milieu du jardin. In the middle of the garden. Il y avait l'arbre de vie. There was a tree of life. Et cet arbre de vie that tree of life était Jésus. It was Jesus. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et maman dit but a man says, cet arbre de vie that tree of life était Jésus. Was Jesus. Et l'autre arbre the other tree est incontestablement Satan. Is definitely certain à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Because of what came forth of the fruit of that tree. Nous savons donc maintenant. Now then we know that both. Voyez maintenant le mystère. You see now the mystery. De la présence de ces arbres. The mystery of the dans le jardin de Dieu. In the garden of Eden. Le prophète de Dieu. The prophet of God says. Nous savons donc maintenant we know that que chacun de ces deux arbres both of those trees avait un rapport avec l'homme sans quoi or, il n'aurait jamais été placé they would là. Never have been placed there. Vous comprenez maintenant pourquoi? You understand why? C'est que ces arbres, quand Dieu les place là-bas, that's those trees when God placed them there, il les place intentionnellement. He placed them intentionally. Pour que ces arbres because those two puissent trees avoir quelque chose may have some faith à faire avec l'homme. To do with man. Et il dit ceci. He says, il, le deux arbres, il devait avoir un rôle à jouer. There must be a work to do dans le plan et le dessein souverain de Dieu. They must have had a part in the sovereign plan and purpose. Dans leur rapport avec l'humanité. In their relationship et avec l'humain. And to him, notre Dieu, our God, notre Dieu, our God, ne fait jamais rien au hasard. He doesn't amen. Do anything. Tout ce qui existe, everything that exists, existe pour un but. Si vous êtes ici cet après-midi, if you are here this dans cette église, ici, in this church, vous êtes ici dans ce but. We are, you are here. Dieu sait pourquoi vous êtes là. Dieu sait pourquoi le pasteur est là. Dieu sait pourquoi vous êtes là. Tout existe dans ce but. Et il place les arbres pour qu'il puisse avoir un rapport. For him to have quelque chose à faire, something to do avec l'homme, with man. Parce que Dieu avait un plan. Because God non seulement avec l'homme lui-même, not only with mais aussi avec lui-même, Dieu. Also with
himself God. Voilà pourquoi il a placé les arbres. That's the reason why he placed those trees. Et il les a placés là-bas. And he placed them there. Lui Dieu, him God, qui est omniscient, which is omniscient, qui connaît toutes choses, who knows everything. Alors le prophète dit, but, the prophet says, sinon nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Then, otherwise we never confirm that God is omniscient. Pourquoi Frère Branham dit ceci? Why Branham said this? Que Dieu est omniscient. God is that God. En plaçant les arbres, by placing those trees, c'est parce que it's because il les a placés dans un but. He placed them. Il nous voyait déjà plus loin. He was. Qu'est-ce qui va venir? What's par that? Rapport, according to, à ces arbres, according to those. According to those trees. Jusqu'ici, from there, tout ceci est vrai. Everything is true. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que cela est vrai? Do you mean that il a placé l'homme, il a placé les arbres, he placed man dans son but. He placed trees. Et Frère Branham dit, purpose, but cela est vrai, n'est-ce pas? Frère Branham said, those are true. Oh! Ça, c'est le point capital. Ouais. Or, yeah. Écoutez très bien. Or, la parole affirme très clairement. And the word said clearly que dès avant la fondation du monde, that before the foundation of the world, le dessein de Dieu, the purpose of God, était de partager sa vie. Was to share his eternal life. Amen. Vous voyez pourquoi il a créé l'homme et la femme? Well, le dessein de Dieu. You see the reason why he created woman and man? Était de partager la vie. Because the purpose of God was to share the eternal life. Avec l'homme. With man. Amen. Amen. Le dessein éternel de Dieu. The eternal purpose of God. Et comme lui il est éternel. It was because he is eternal. Et il faut que l'homme aussi soit éternel. And man must also be qu'il eternal. Partage la même vie. For him to share the comme il est éternel. Because he is eternal. Que ses enfants aussi soient éternels. His children must be also eternal. Amen. Je vous épargne la lecture. So I'll spare you the Ephesians chapter 1. The long reading, Ephesians chapter 1. Je vais juste sauter et arriver à quelque chose. I'm going to jump to read something. Maintenant, le dessein de Dieu, écoutez très bien, l'Église. Now, the purpose of God, listen to the church. Le dessein de Dieu, the purpose of God, était de partager la vie éternelle. It was to share the eternal life. Avec l'homme, with man. Maintenant, comment est-ce qu'il allait partager? Now, how is God going to share that eternal life? Cette vie éternelle, that eternal life, avec l'homme, with man. Le prophète de Dieu dit, the prophet of God says, mais cette vie, but this life, ne pouvait pas être partagée, would never be shared, la vie éternelle, eternal life, que Dieu voulait partager avec l'homme, that God wanted to share. Le prophète de Dieu dit, the prophet of God says, mais cette vie, but that life, ne pouvait pas être partagée, could not and will not be shared, et n'allait pas être partagée, And would not be shared d'une autre façon in any other way que par le moyen than through de Dieu manifesté the way of God manifested in the flesh. Hallelujah. Amen. Donc la vie éternelle de Dieu, so the eternal life qu'il devait partager avec toi, he had to share lui qui était dans la colonne de feu. Was in the lui qui of était dans les logos, was in the logos, dans le corps théophanique, in the theophanic body, il n'y avait pas moyen pour lui a way de partager la vie éternelle, share eternal life avec l'homme, with man. Parce que pour lui, because for la seule manière pour the lui only way for de him partager la vie éternelle, to share eternal life, c'était qu'il devienne d'abord to become un homme. Amen. Non pas la théophanie, not the theophanie, non pas la colonne de feu, not the pillar of fire, mais un homme. But a man. Quand il devient un homme, when he becomes c'est un homme qui peut me la partager avec l'homme.
Voilà le grand mystère de Dieu. Donc son dessein à lui était de partager la vie éternelle avec l'homme. Mais il ne pouvait pas le faire. Tant qu'il n'était pas dans un corps d'abord. Tant qu'il n'était pas devenu un homme, il était incapable. C'est pourquoi. Quand il a placé Adam là-bas, Adam ne pouvait que perdre. Adam. Il ne pouvait que perdre. Il ne pouvait que perdre cette vie. Adam had to lose. Qu'il avait dans le jardin dedans. Parce que c'est lui qui lui avait donné cette vie-là. Because the one who gave him that life n'était pas dans le corps. The body of flesh. This. This off. Try. Parce que, because c'est lui qui l'avait placé dans le jardin de Dieu. The one who placed him in the garden. N'était pas dans le corps de chair. Wasn't in the human flesh. Alors, comme il n'était pas dans le corps de chair, because he wasn't in the human flesh. Adam et Eve, and Eve, ils ne pouvaient pas partager la vie éternelle. They were unable to share the eternal life. C'est ça le mystère de Dieu. That's the mystery of God. Donc la vie éternelle and the eternal life de Dieu of God ne pouvait pas être partagée was unable to be avec l'homme with man avant que Dieu ne soit dans la chair. Before God to come in the human flesh. C'était une partie de son dessein éternel. It was a part of his eternal purpose. Le dessein prédestiné. The predestined purpose. Ce plan devait servir à la louange de la gloire de sa grâce. This purpose had to serve à la louange de la gloire de sa grâce. Go ahead. C'était le plan de la rédemption. It was the plan of redemption. Le plan de la rédemption, the plan of redemption, qui est le plan du partage de la vie éternelle, is the plan of the sharing of ne pouvait s'accomplir will be fulfilled au moyen de Dieu only venu dans la chair. Only when God is going to be. C'était le plan du salut. It was the plan of maintenant salut. Écoutez bien. Now listen to me. Votre prophète dit. Maintenant, écoutez bien. Listen to the prophecy. Comme Dieu était un sauveur, because God was a savior, il devait nécessairement prédestiner un homme. Il devait nécessairement prédestiner un homme. He had to predestine a man qui ait besoin de salut. Who will need the salvation? Afin d'avoir ainsi une raison d'être. So he can have a reason. Et un but. And a purpose. C'est tout à fait exact. It's exact. Il y a de nombreux passages de l'Écriture qui le démontrent. There's so many Bible scriptures say that. Donc, so l'homme, man, ne pouvait pas venir directement. Could not come directly. Prendre de l'arbre de vie. Take the tree of life qui était au milieu du jardin. The one was in the midst of the garden. La vie éternelle de cet arbre. The eternal life of that tree devrait d'abord devenir chair. Must first become flesh. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi? You see why? Quand l'homme est tombé, when man is l'homme et la femme sont tombés, fell, man and woman fell. Dieu est venu. God came. Il les a cherchés. And cast them out. Sortez d'ici. Go get out. Allez-vous-en. Get out. C'était pourquoi? Why? Pour les empêcher de toucher à l'arbre. Yeah, to enable them to touch the tree of life. Imaginez-vous. Can you imagine que si Dieu dans le jardin d'Eden, if God in the garden of Eden, était dans la forme humaine, had the human form, après la chute. After the fall, ces gens-là, those people, Adam et Eve, Adam and Eve, allaient vivre éternellement. Was about to live in mais dans le péché, but in the sin, qui est impossible. That means it's de vivre éternellement, tout en étant de péché. To live eternally. C'est pourquoi. Is it? It's impossible to live eternally as a sinner. Vous comprenez ça? Yes, I don't understand. C'est pourquoi Dieu that's why God s'est arrangé yeah.
dans le jardin de l'Éden, sous forme de cet arbre-là, mais il n'était pas Dieu dans la chair. But it wasn't God. Parce que quand il est dans la chair, because when he alors is il partage la vie éternelle avec l'homme. Maintenant, il ne voulait pas de cela. Now, il ne savait que ces gens allaient tomber un jour. Il ne savait devenir le pécheur. Je ne peux pas leur permettre d'être de pécheur to become et de vivre éternellement. Parce que le péché doit amener la mort. Must bring death. C'est sa loi. That is God's law. Amen. Alors il les a empêchés. And then he hindered them. Il les a empêchés. He hindered them. Allez-vous-en. Go. Allez-vous-en. Get out. Mais but ce grand Dieu, that great God, il le regarde. He was watching. Et ai-je échoué? And did I fail? J'ai échoué. Did I fail? J'avais créé. I created ces gens ici. These people here. Pour qu'ils soient mes enfants. For them to be my pour children. Que je puisse avoir la communion avec eux. For me to have fellowship with pour them. Que je puisse partager la vie for avec me to share my eternal life. Mais maintenant ils sont tombés dans le péché. Now they fall in the sin. Et comme ils sont tombés dans le péché. Because they fall in sin. Ils sont morts. So they're dead. Mon plan a échoué. So my plan has failed. Mon plan a échoué. My plan has failed. Deux dés. God said, non, non, je suis le vainqueur. I am the overcomer. Moi, je ne peux pas faillir. Me, I'll never fail. Satan ne peut pas me vaincre. Satan will never overcome. Il a réussi. And God, Satan a réussi. Satan succeeded. À faire tomber mes enfants. To bring my children in front. Afin qu'ils soient privés de la vie. For them to be made sure like, but I'm going to show je vais montrer la I'm going to show que je suis le Dieu omniscient, que je suis le Dieu omnipotent. I'm the omnipotent je God. Suis capable I'm able de relever ce qui est tombé. Parce que ici, c'est une question d'honneur pour Dieu. Because here it's about the honor to God. Je ne peux pas faillir. I'm not going quand dira-t-on si moi j'ai failli? What they want to say that I failed. Une question d'honneur pour lui. It's about the honor for God. Regardez même les enfants d'Israël. See even the children of Israel. Quand Dieu les amène en dehors de l'Égypte. When God takes them out of Egypt. Ils marchent avec lui. They walk mais with God. Ils sont incapables. But they were unable de s'en tenir à la parole. To stand upon the word. Ils les voient faire des grands miracles. They saw God doing. Il le voit dans toute sa grandeur. His mais regardez ce peuple. But les circoncis de cœur. Qu'est-ce qu'ils font? What they did? Ils vont se faire un petit Dieu. They went to abandonnant les grands dieux qui ont peur de miracles. Pour se faire un petit quelque to serve a little thing. Et commencer à l'adorer. And start worshiping. Alors il dit. And God said, maintenant, ça n'est fini. Now it's finished. J'ai détruit tout le monde. I am going to j'ai détruit tout le monde. I'm going to destroy everybody. Et Moïse vient. And Moses came. Il lui dit, God is still talking about the Father. Si tu fais cela, if you do that, qu'est-ce qu'on dira? What people tu les as sortis d'ici. So you them, vous les exterminez dans le désert. Mais on va se moquer de toi. Où est la place de ton honneur? Where is your honor? Et une question d'honneur. And it's about the honor. Dieu, God. Écoutant le conseil de l'homme. No, God blessing the voice of a man. Alors, and il dit, je ne vais pas laisser tomber l'homme. He said, I'll never let je ne vais pas le laisser. I'll never let them comme ils sont tombés, because they have failed, je vais maintenant reprendre le travail. And now start walking. Je vais maintenant les relever. I'll take them up again. Afin and que j'arrive à mes buts. Until I reach my purpose. Où j'aurai un homme. Where I'll have a man. Une femme. A woman qui partagera which will share ma vie éternelle. My eternal life. Amen. Là, ils sont sortis du jardin. Now they got out from the garden of ils sont là en train de rire. And they were there wondering. Des pauvres malheureux. Oh, those poor people. Ils sont là. They are there. Dieu dit. God said. Maintenant. Now. Je recommence le travail. I'll start working mais again. Comment est-ce que je vais recommencer? But what? How am I going to start again? J'avais dit à Adam et Eve. I said to Adam and Eve. Dans le jardin de in the garden of Eden. Je te donne une condition. I'll give you a requirement. Je conclue une alliance avec toi. I'll have a covenant with you. Je vous ai dit. I told you. Le titre de ma prédication. The title of my tel sermon.
the way it is, tel que nous sommes, the way we are, par la voie de l'alliance, by through the way of the covenant. Il regarde, and he looked up to them. Je vais conclure une alliance. J'avais conclu une alliance avec eux. I had a covenant with them. J'avais dit Adam, I told Adam, ne mangez pas cet arbre-là. I told him, never eat that tree. Si tu manges, if you eat it, tu vas mourir. You're gonna die. Si tu manges, if you eat it, je vais te frapper. I'm gonna strike. Si tu fais ceci, if you do this, je vais te frapper. I'm gonna strike you. Mais maintenant, but now, ils ont été incapables. They were unable. Et Dieu a observé. God was toute la progéniture. God was observing Adam and Eve. On d'Adam et Eve. From Adam and Eve. Pendant presque 2000 ans. Les deux premiers millénaires. For 2000 years. Les deux premiers millénaires. The first 2000 years. Les choses sont allées de mal en pis. Things went worse and worse. Toujours incapables. And they were all unable de garder cette alliance-là. To keep that covenant. Dieu s'est dit, God said, il faut que je recommence le travail. Said, I must work. Qu'est-ce que je vais faire? What I'm gonna do? Comme ils ont fait ça, because they did it, je vais détruire. I'm gonna destroy. Et recommencer le travail. And I'll start again. Et là, and then, dans les deux presque environ 2000 ans, and after almost 2000 years, Dieu détruit le monde. God destroyed the world. Par le déluge. By the flood. Pourquoi? Parce qu'il voulait maintenant recommencer. Why? Because he wanted to walk again. Il les avait failli. And they fell. Il les avait failli. Vis-à-vis de cette alliance qu'il leur avait donnée. According to the covenant he gave to them. Alors? And then? Après avoir des trucs comme ça. And after destroying it. Il vient maintenant dire à Noé. He came and he told Noah. Noé. Noah. Je veux conclure une alliance. I'm gonna have a covenant. Avec l'humanité. With the humanity. Et je vais te donner, I'll give you le signe, the sign de l'alliance que je vais conclure of the covenant that I'm going to have with you. Alors, and then, Noé regarde à Dieu. Noah was looking at God. Vous savez ce que c'est qu'une alliance? Do you know what the covenant is? Une alliance, the covenant, c'est une déclaration souveraine. It's a declaration. Souverain. A sovereign declaration. Une déclaration souveraine. A sovereign declaration. Dans laquelle Dieu lui-même, in which God himself, engage sa propre responsabilité. In which God himself, well, the responsibility of God is c'est ça le type d'alliance. Is that type of the covenant? Il veut maintenant conclure. He wanted to have avec Noé. With Noah. Parce que quand il a responsabilité. Because quand la responsabilité. Yeah, because of the responsibility. Était partagée. Because the responsibility was shared. Entre Adam et Dieu. Between God and Adam. Adam n'a pas su garder l'alliance. And Adam failed to keep the covenant. Il l'a brisé. And the covenant, il l'a brisé. He fell. Maintenant, now, Dieu, God, vient faire une déclaration d'alliance. He want to do où that. Il n'engage que sa propre déclaration. God want to do another covenant. Alors qu'est-ce qu'il fait? And then what he did? Il leur donne le signe de l'alliance. He gave them the covenant. Mais regardez quel type de signe. Look what l'arc en ciel. Is a rainbow. L'arc en ciel. A rainbow. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel? What is the rainbow? Les sept couleurs. The seven colors. Qui manifestait Dieu? Which was manifesting God? Voilà comment Dieu fait son alliance. See the way God has covenant. Pourquoi l'arc-en-ciel? Why the covenant? Pourquoi l'arc-en-ciel? Why the rainbow? Parce que. Because. Dieu. God. Ne pouvant pas trouver plus grand que God will never found anything greater than himself. Il ne pouvait jurer que par God will swear only by himself. Vous savez que tel que nous sommes ici. You know the way we are here. Nous jurons par plus grand que nous. We pay for. Donc si toi tu connais par exemple le président de la République. If you know the president. Quelqu'un vient te déranger là. And someone come to you. Tu vas jurer par le président de la République. You're gonna tell. Attention, moi je connais. You're gonna tell. Je te dis. Be careful. Au nom du président de la République. In the name of the president. Ce que tu me menaces là. What you're doing. Tu ne mourras pas. Parce que le président de la République est au-dessus. Because tu sais qu'il peut intervenir. Is, mais ici. But here. Dieu n'a pas plus grand que nous. God doesn't have anybody. Alors il devait jurer par le président. Then
montré qu'il s'agissait de lui-même. Il a montré la racine. Les sept couleurs qui font Dieu. Qui reflètent ce qu'il est. Il a dit, nous, les gars. Je m'étais là. He said, you don't know what? Les sept couleurs. I am there, standing there in the seventh. Alors, and then, là, Noé était rassuré. And then Noah was sure. Maintenant, les gens ont commencé à venir sur la terre. And people start coming. À remplir de nouveau la terre. Now start replenishing the earth. Et Dieu maintenant dans son plan. And God in His plan. De relever l'homme. To bring man. De retrouver l'homme. To find man. Avec qui partager. Which was a eternal. Il regarde sur la face de la terre. He was what, il voit un homme. Il voit un homme. He saw a man. Du nom d'Abraham. His name was Abraham. Dieu vient. God comes. Abraham. 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 Viens. Come. Je veux que tu partes d'ici. I want you to get out from this. Tu vas aller dans ton pays. Go somewhere. Où je vais te conduire. Where I'm going to lead you. Je te bénirai. I'm gonna je te bénirai. I'm gonna bless you. Le prophète de Dieu dit. Dieu n'a pas fait cela parce que c'était Abraham. God didn't do it because it was Abraham. Dieu l'a fait. God did it parce que because il voulait faire quelque chose. Because he wanted to do something. Il voulait restaurer l'homme. He wanted to restore. Il voulait retrouver l'homme. He wanted to found l'homme. Avec lequel communier. Man with what? Avec lequel partager sa vie. With what is going to share his maintenant, life. Now, il appelle Abraham. Now he called Abraham. Vous savez d'où il venait? Do you know where he came from? Abraham dit. Il venait de la tour de Babel. He came from Babel. Avec son père. Il était allé adorer les idoles. He went to worship the idols. He was cet homme-là. This that man que Dieu a appelé. And God, avec qui maintenant? And God, il commence une nouvelle alliance. Start a new covenant. Abraham marche simplement. Abraham, just walk with me. Tu viendras à moi quand tu seras un vieux homme. Je te bénirai. Will you come to me and I'll bless you. Je te bénirai. I'll bless you. Non seulement toi, not only you, mais avec ta postérité. With your offspring. Vous voyez? You see? Donc la promesse de bénédiction. The promise of blessing. Que Dieu fait à Abraham. That God made with Abraham. Ce n'était pas seulement pour Abraham. It was not only for Abraham. Mais aussi pour sa postérité. But also for his offspring. Or vous et moi. Be like you, les gens de nation. The people of qu'est-ce que nous avons à voir avec Abraham? What we have rien to do with Abraham? Nothing at all. Rien du tout. Nothing at all. Mais la véritable but the postérité but the true posterity of Abraham. Par notre union avec lui. In our union with him. Fait que nous devenons participants. Make us to participate. Héritier. To be to have anything. Cette promesse là donnée à Abraham. Of that promises given to Abraham. Abraham engendre Isaac. And Abraham. Isaac engendre Isaac. Jacob. Isaac begot Jacob. Engendre aussi parmi ses enfants. Begot also all his children. Il y a là un Joseph. And one of his the Joseph was Joseph. Qui sort de là. Came out from there. Et Frère Bamani, and Bamani said, c'était maintenant le fondement que Dieu était en train de faire. It was the foundation that God was making. Pour que sur ce fondement, on the top of that foundation, il puisse maintenant former. So it can start now. L'homme parfait. Making a perfect. Parce que le premier homme parfait. Because the first l'homme qu'il avait placé dans le jardin de l'Éden. The man he placed in the garden of Eden. Il est tombé. And he fell. Dieu maintenant recommence le travail. And God start working again. Il est à la recherche d'un chemin. God was looking for a masterpiece. Le fondement. The foundation. Abraham. Abraham. La foi. Le faith. L'élection. L'élection. Isaac. Isaac. Était là. Was there. La justification. The justification. Et. And. Jacob. Jacob. La sanctification. Sanctification. Et l'homme parfait. And the perfection. Le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Ghost. Tout ça, ça formait le fondement. All those ones was making the foundation. La foi. Faith. L'amour. Love. La grâce. Grace. La perfection. Perfection.
Et Dieu a maintenant un fondement. And then God had a la semence était en train de descendre. The seed was coming d'Abraham from Abraham vers les patriarches. To all the patriarchs. Et arrivé au niveau de Joseph. And reaching Joseph, elle s'est arrêtée. And it stopped there. Elle s'est cassée. It stopped there. Elle a disparu. And it les prophètes dit, and the prophet said, jusqu'à ce qu'elle revienne de nouveau. Until now, until then, it comes dans back un nom. In the man. Dans un nom. In the man. Quel homme? Which man? Le Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus. Voilà la véritable semence. You see, la véritable postérité d'Abraham. The offspring que Dieu était en train de chercher. That God was. Mais comment est-ce qu'il l'a eu? How he got it? Quand vous par exemple, les artistes savent. You see, the artist knows about it. Quand ils ont fait, par exemple, un sculpteur. So, un sculpteur. Un sculpteur. A sculptor. Yeah. Quand il a fait son œuvre. When he made his masterpiece. Il ne va pas la cacher. It's not gonna hide. Il ne va pas la mettre à un endroit où on ne va pas la voir. No, it's not gonna hide. Vous allez dans la ville là-bas. If you go, vous allez toujours voir des monuments là. You see all the statues. Des chefs-d'œuvre. Des artistes. Of, mais si vous regardez très bien, if you see, vous ne trouverez jamais le monument de quelqu'un. You never found a, qui est juste sur le pavé comme ça. Something on the a statue on the non. Floor. On a fait une plateforme. They made a platform. Une fondation. A foundation. Et c'est sur cette fondation. And upon that foundation. On place maintenant le chemin. Place the. Et le prophète de Dieu dit. And both the prophet. La fondation. The foundation. Sur laquelle le chef d'œuvre est établi. C'était les quatre patriarches. It was the four patriarchs. Ils ont formé maintenant la fondation. They made the foundation. Et maintenant. And now. Il fallait qu'ils forment les corps. And now they had to. Le corps de chair qui devait être placé sur le fondement. Upon the foundation. Et ce corps-là, c'était quoi? Les prophètes. The prophets. Que Dieu a commencé à envoyer God, avec la parole. Ajoutant la parole. And à la parole. Upon the word. La parole. Upon the word. À la parole. Upon the jusqu'à word. Ce que le corps until the body était là sur la fondation. The body was et il ne manquait plus que la tête. The only thing il ne manquait plus que la tête. The head et le dernier niveau, and the last c'était Jean-Baptiste. It was John the Baptist. C'était Jean-Baptiste. John the Baptist. La dernière parole the last, qui est venue s'ajouter au corps, the last word, c'était Jean-Baptiste. To help me et après Jean-Baptiste, and after John the Baptist, la tête maintenant est venue. The head came. La tête maintenant est venue. The head came. Et là nous avons l'homme Jésus. And then we have Jesus, le parfait. The perfect le one. Diamant parfait. The perfect diamond. Dans qui s'est trouvé in what was la perfection avant le commencement. Before the foundation. Cette couleur. The same color. Parfait de Dieu. Perfect les of God. Les attributs parfaits de Dieu. Et maintenant devenu. Came back again. Un homme. A man. Sur la terre. In on the earth. Vous voyez mes amis. You see my friends. Ce que je vous ai dit. What I told you. Que pour que Dieu. For God, partage la vie éternelle. To share the eternal life, il devrait d'abord venir. He had to come from dans un corps de chair, in the human flesh, et être un homme. To become a à ce moment-là, alléluia, ce qui venait en lui, what was ce qui venait en lui, what was il pouvait prendre la vie éternelle. The good get il pouvait prendre la vie éternelle. The good il pouvait prendre la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu était dans la chair. Why? Because God was in manifesté the human flesh. Manifesting. Alléluia. Amen. Praise God. Alors comme il était là. Now what because he was there, when he was there. Frère Mohamed. Mohamed said. Regardez Joseph la perfection. Watch Joseph the perfection. Il était tellement parfait. He was so perfect. Que son père. Until his father. Lui avait donné une robe. Gave him a robe. À cette couleur. With seven colors. Le même cette couleur. The same seven colors. Qui reflète la perfection de Dieu. Which reflect the perfection of God. Était sur Joseph. What about Joseph? C'est quoi, frère Bramadi? That's why Bramadi said. Rien. Nothing. De mal. Nothing n'a été rapporté. Nothing à ce qui concerne Joseph. Was told about Joseph. Un homme parfait. A perfect man. Il était là. He was standing there. Maintenant. But now. Le prophète de Dieu dit. The prophet of God said. Jésus Christ. Jesus Christ. L'homme parfait. A perfect man. Lui aussi. Him also. Son père. His father. Son père. His father. Lui avait donné
Il nous robe à cette couleur parce qu'il était le diamant parfait. Because it was a perfect et toutes ces couleurs-là, all those colors représentant was representing l'alliance, the ce que Dieu est. What God is. Ils sont venus, ils ont pris la vie. And again, they took life. Il n'y a pas de hasard, mes amis. There's no nothing happened. Je vais vous lire quelque chose ici. I'm gonna read you something here. Je suis dans Jean. I'm in the book of John. Jean au chapitre 8. John chapter 8. L'évangile de Jean au chapitre 8. The Gospel of John chapter 8. À partir du verset 37. And from verse 37. 37. La Bible dit. The Bible says. À partir de 37. Les derniers jours. Excusez-moi que je prenne un peu d'eau. La Bible dit, au verset 37. Le dernier jour. C'est 7. 37. John 7, 37. Ok, go ahead. Le dernier jour. In the last day. Les grands jours de la fête. That great day of the feast. Jésus. Jesus. Se tenait debout. Stood. Écoutez, mes amis. Listen, my friends. Là, nous avons Dieu. There we have God. La colonne de feu. The pillar of fire. Le logos. The logos. Dans un corps de chair. In the human, in the body of flesh. Le seul moyen pour Dieu. The only way for God. De partager la vie. To share his eternal life. Maintenant, écoutez comment il est. Now listen. Le dernier jour. The last day. Les grands jours de la fête. The great day of the feast. Jésus. Jesus. C'est tellement debout. Stood, s'écria, and cried. Si quelqu'un a soif, saying, if any man qu'il vienne à moi, let him come et qu'il boive unto me and drink. Celui qui croit en moi, he that believeth on me, de fleuve d'eau vive, as the scripture has said, coulèrent de son sein, out of his belly shall come, dit l'Écriture, rivers of living water. Et il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. But this spake he of the spirit which they had to believe, en lui, they that believe on him. Car l'esprit n'était pas encore. Should receive, for the Holy Ghost was not yet given. Parce que Jésus n'avait pas encore. Because that Jesus was not yet glorified. Ici nous avons Dieu dans la chair. There we have God in il commence à inviter les gens. Venez à moi. Come, vous tous qui avez soif. You all vous tous qui avez faim. You all venez. Starving. Manger. And eat. Moi. Me. Je suis la source de vie. I am this, moi. The je suis le pain de vie. I have the bread. Je suis le pain de vie. I have the bread of life. Celui qui va manger. Those, il ne mourra plus jamais. Il ne mourra plus jamais. C'était quoi ça? What was it? Dieu qui donne maintenant la vie éternelle. Dieu qui donne maintenant la vie éternelle. C'était quel jour? What day? La Bible dit. The Bible says. C'était le jour de fête. It was the day of the feast. Le jour de fête. The day of the feast. Et le prophète de Dieu dit. And the prophet of God said. Ce jour-là. That day. C'était le dernier jour. It was the last c'était day. C'était à la fête de Tabernacle. It was in the feast of Tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. C'était à la fête de Tabernacle. It was in the feast of Tabernacle. Vous savez que dans l'Ancien Testament, do you know that in the Old Testament, ils célébraient cette fête-là. They were celebrating that feast. En faisant dans les tentes. In the tent. Ici nous avons Dieu. Now we have God. Dans la tente. In the tent. Dans un corps. In the body. De chair. In the body of flesh. Et il est à la fête de Tabernacle. And he was in the feast en of Tabernacle. En train de donner la vie. Giving life. En train de donner la vie. Giving life. À la fête de Tabernacle. In the feast of Tabernacle. Vous savez que dans l'Ancien Testament, you know that in the Old Testament, il y avait sept fêtes. There was seven sept feasts. Différentes fêtes. Those seven different feasts. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais avant. Il y avait for him to be short.
for me to be sure. Il y avait la fête de Pâques. It was la fête de Pâques. Passover feast. Et il y avait la fête des belles fêtes. The feast of ces fêtes se suivaient de cette manière. Those feast was d'abord la fête de Pâques. First of all the Passover feast. La fête des belles fêtes. The unleavened bread feast. Et puis il y avait la fête de germes agités. And the feast of the wave sheaf. Et si vous regardez ces fêtes, if you watch those, vous verrez you que cela reflétait Christ. Was reflecting Christ. Christ de notre part. Christ our dans la fête des Pâques. De fête de Pâques. Christ not the Pâques. Oui oui. It's différent de la fête de Pâques. Christ our la fête de Pâques c'est Passover. Oui, c'est Passover. Christ notre Pâques, c'est quelque chose de différent. Oui, c'est pas Easter, c'est pas. Bon, Christ avait Easter. Anyway. Voilà, Christ. Christ. Qui était le pain de vie. What was the bread of life? Vous voyez ça? You see. Il était aussi la gerbe agitée. It was also the wave sheaf. La première qui était arrivée à maturité. The first one reached the maturity. Et ces trois fêtes là. Those three feasts. Se sont accomplis. Was fulfilled pendant qu'il était sur la terre. When he was on earth. Les choses de l'Ancien Testament those things of the Old étaient Testament l'ombre du Nouveau Testament. Was the shadow of the maintenant, now, l'accomplissement de ces trois premières fêtes, c'était quand Christ était sur it la terre. Was Christ. Mais regardez, now, que dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, la fête qui suivait, the feast was c'était la fête de Pentecôte. It was the Pentecost of feast. Abraham said, la fête de Pentecôte. The feast of Pentecost. C'était les sept âges de it was the seven church ages. Amen. Maintenant, je ne sais pas si je vais vous choquer. I don't know if I'm going to shock mais you. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. Le prophète de Dieu dit. The prophet of God said. L'Ancien Testament. The Old Testament. Et le Nouveau Testament. And the New Testament. Sont été l'ombre d'aujourd'hui. Was amen. The shadow of today. Hallelujah. Amen. L'Ancien Testament, the Old Testament, qui s'accomplissait dans le Nouveau Testament, what was fulfilled in the Nouveau Testament, Testament, l'Ancien Testament, Testament était l'ombre de ce qui was the shadow of this day. Là nous avons Christ. There we have Christ. À la fête de tabernacle. In the feast of tabernacle. Mais la véritable fête de tabernacle, feast of tabernacle, c'est aujourd'hui. It's today. Parce que frère Abraham dit, dans le demain futur, in the future, il dit, aujourd'hui, today, nous adorons sous la fête de tabernacle. Under the feast of tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'accomplissement in the fulfillment de of la fête de tabernacle, of the feast of tabernacle avec Dieu dans la chair humaine, with God in en train de donner la vie, which is giving life, devait s'accomplir aujourd'hui. What must be fulfilled amen today. Praise God. Amen. Dans les sept âges de l'Église. Dans le sept âge de l'Église, Jean regarde dans Apocalypse chapitre 1, in the Revelation chapter 1, il dit, he said, je vois un homme, I see a man avec un arc en with a rainbow, encore l'arc en again a rainbow, encore l'arc en again a rainbow. Mais si vous regardez très if bien, you walk, dans les âges de l'Église, in the seven church ages, ce n'était pas un homme dans le corps. It wasn't man in the flesh. Pourquoi? Why? Parce que quand il quitte la terre, because when he lived, quand il était sur la terre, when he was on earth, il a dit, he said, je suis venu du Père. I came from the Father. Je retourne. I'm going back to qui était le Père? Who was the Father? La colonne de feu. A pillar of fire. C'est pourquoi frère Bamba dit, that's the reason why Bamba said, Jésus, Jesus, il vient, came trois fois. Yeah, il vient comme fils de l'homme. He came from as a son of man. Il vient comme fils de Dieu. As the son of God. Et il vient comme fils de David. And he came as the son of David. Maintenant le fils de Dieu. Now the son of God. C'est dans le sage de l'Église. Là où nous le voyons, avec l'arc-en-ciel, ce n'était pas it wasn't le fils de l'homme. It wasn't the c'était son of le fils de the son of man, it was the son of Dieu God. Dans un corps. God in the body. Théophanique. In the body of fire. Dans la colonne de feu. In the pillar of fire. Avec l'arc-en-ciel. With the rainbow. Et Jean l'a vu. And John saw dans le sage de l'Église. In the seven church ages. Comment est-ce qu'il pouvait donner la vie? How could he give dans le sage de l'Église. In the seven church ages. Or, then, avec l'arc-en-ciel. With the rainbow. Le
couleur, the seventh color, chaque couleur, every color, représentait un ange de lumière. Was representing seven churches. Chaque couleur, chaque couleur, every color, représentait un messager. Was representing a message of God. Chaque couleur, every color, représentait un message. Was representing a donc message. Il n'y a pas un seul âge de l'église. So there's no a church age. Où il y a le sept couleurs. There was a seven color. Pour que l'on puisse avoir la perfection. For to have perfection. Amen. Jean regarde. John look. Il le voit. He saw him dans les anges de l'église. In the seven churches. Mais la dernière fois qu'il les voit, by the last time he saw him, avec l'arc-en-ciel, with the rainbow, pour montrer ce qu'il est, to show who les sept esprits, the seven attributes, spirit, la nature de Dieu lui-même, the nature of God, que nous avons lu avec is the scripture of John, dans Apocalypse chapitre 10. Revelation chapter 10. Amen. Praise God. Il avait promis. And he promised que je reviendrai. I'll come back. Et Paul dit, Paul said, dans 1 Thessaloniciens, in 1 Thessaloniciens, il vient, he comes, il descend, he descended. Comment est-ce qu'il vient? How he comes? Il vient comment? He comes. How does he come? Vous savez comment il vient? Do you know how he comes? Quand il descend, when does he descend? Il vient avec un cri. He comes with a shout. Il vient avec un cri. He comes with a shout. Il crie. He shouts. Et il vient avec une voix. He comes with a voice. Et avec le son de la trompette. And the sound of the trumpet. C'est ce que Paul a dit dans le texte. What Paul said in the scripture. C'était une prophétie. It was a prophecy. Cette prophétie. That prophecy devrait s'accomplir. Must be fulfilled. Parce que ça c'était une prophétie. So it was. Mais ce n'était pas l'accomplissement. It wasn't. Mais quand est-ce que? But when cette prophétie s'accomplit. When that prophecy. Elle s'accomplit. It was fulfilled. Dans Apocalypse 10. It fulfilled in Revelation chapter 10. Vous voulez que je vous montre ça? Revenons à Apocalypse 10. So let's go back to Revelation chapter 10 now. Praise God. Nous lisons ici à partir du deuxième, du premier verset. Je vais vous montrer quelque chose. Revelation chapter 10, verse 2. Je vis un autre ange puissant. And I saw another verse. Premier. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. And a rainbow was upon his head. Et son visage était comme le soleil. His face was as it were. Ses pieds comme les colonnes. And his feet as. Là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. That's a. Mais on sait que cette personne qui descendait là, that we know that that person was descending, it was Christ. Maintenant, je vais vous montrer now, que c'était l'accomplissement, that it was the fulfillment de Thessaloniciens 4. Of what 1 Thessaloniciens chapter 4. Il tenait dans sa main. It was un petit livre ouvert. He had in his hand. Il posa son pied. An open book. Droit sur la mer. He put his. Et son pied gauche. Son pied gauche sur la terre. He had in his hand a little. Maintenant, verset 3. And he said, il. He set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. Maintenant, écoutez le verset 3. Listen now, verse 3. Et il cria d'une voix forte. And cried with a loud voice. Est-ce que vous voyez comment il descend? So you see. Il descend avec quoi? Avec un cri. How he descend is descending. With a shout. Montrez-moi dans les Écritures. Show me in the scripture. Depuis le temps de Paul. From the time of Paul. Jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Until the end. Là où il descend avec un cri. Where he descend with a shout. Écoutez ce qu'il dit encore. Listen what he says. Comme au rocher d'Elion. Et quand il cria. As when Alain Robert. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Qu'est-ce que nous voyons ici? What do you see here? Le cri. The shout. Il crie. The shout. Et quand il crie, when he shouts, il y a aussi la voix. There also la voix qui vient avec les sept. The voice which came with
les sept tonnerres. With seven thunders. Et quand les sept tonnerres, when the seven thunders, eurent fait entendre leur voix, uttered their voices, j'en ai écrit. I was about to. Mais j'entendis du ciel. And I heard a voice from heaven. Une voix qui disait, saying, celle secondit les sept tonnerres. See up those things. Et ne l'écrit pas. Which the seven thunders uttered and went them not. Allons au verset 6. And verse 6. Et le jura and swear par celui qui vit au ciel. By him that liveth forever and ever. Qui a, qui a créé le ciel et ce qui se trouve. Will create the heaven and the things that there are. La terre et ce qui se trouve. And the earth and the things. Et la mer et ce qui se trouve. And the sea and the things which are there. Il n'y aurait plus de délai. That there should be. Maintenant verset 7. Now verse 7. Mais qu'au jour de la voix. But in the days of the voice. Du septième an. Of the seventh angel. Quand il sonnerait. When it shall begin to sound. Qu'est-ce que nous voyons dans l'Apocalypse? What we see in the verse 1 à 7. Au verset 3. In verse 3. Nous avons les cris. We have the shout. Nous avons les cris. We have the shout. Au verset 7. Verse 7. Qu'est-ce que nous avons ici? What we have there? La voix. The voice. Et quoi encore? What again? Les sons de la trompette. Comment est-ce qu'il vient dans Thessaloniciens? How it comes? Avec les cris. With a shout. Avec les cris. With a shout. Avec la voix. With a voice. Et au son de la trompette. And the sound. Le Seigneur lui-même. The Lord le Seigneur lui-même. The Lord himself. Descendra du ciel. Okay. Et nous le voyons ici dans l'Apocalypse 10 qui est l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4 Christ avec l'arc-en-ciel qui descend avec les cris la voix the voice, et les sons de la trompette and the sound of the trumpet. C'est quoi ça? What is that? Christ est venu Christ came, et qu'est-ce qu'il fait? What is he gonna do? Son but his partager la vie was to share the eternal life avec with men. Mais il ne pouvait pas le faire. But he could not do it autrement que par le moyen. Otherwise, then in the way d'un corps de chair of body of flesh. Frère Marie, Marie said, il vient becomes comme fils de l'homme. As I said, the son of man. Et vous savez que le fils de l'homme. And you know that the son of man. C'est Dieu prophète. He is God prophet. Fils de Dieu. Son of God. Et fils de David. And son of David. Maintenant le prophète de Dieu. And the prophet of God says. Il dit. He says. Entre. Between. Le fils de Dieu. The son of God. Et le fils de David. And the son of David. Vous savez, you know that. Le fils de David, the son of c'est David, dans les millénaires. Yes. Mais avant cela, because entre le fils de Dieu before that, et le fils de David, the son of God, il vient comme fils de l'homme pour être un prophète. To be a prophet. Amen. 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 Ne me comprenez pas mal, mes amis. Don't misunderstand. Je ne dis pas que William Mario Branham. No, don't say that. Why not? Parce que Frère Baba dit Barbara said que Jésus Jesus, il était homme Dieu. He was God man. Il était homme Dieu. He was man God. Vous comprenez ça? You c'est pourquoi quand son corps est monté, that the reason why when his body assembled, mémorial, God placed him et c'est world. Devenu le temple éternel. And it became the eternal temple. Vous voyez ça? You see? Mais ici. But here, quand cette promesse s'accomplit, when this promise quand il vient pour être un fils de l'homme, when he came to be a son c'est of un homme de chair, is a man of flesh, avec celui qui descend du ciel, with God, with the one who's the ensemble, of heaven, c'est l'un nous donne, and it gives us le fils de l'homme, the son of man, Dieu, God, dans la chair humaine. In the et à ce moment-là, time, il commence à vous donner la vie. Il commence à vous donner la vie. Luc 17, 3. Apocalypse 10, 7. Jean 14, 12. Malachie 4. Et toutes ces promesses. Quand vous les voyez, c'est la vie qui est venue qui entre en vous. Amen. Get in you.
Alléluia. La vie maintenant entre en vous. C'est pourquoi, mes amis. Maintenant, comme je commence à terminer. Now, because I'm finishing. Le prophète de Dieu dit. The prophet of God says. Que là, dans cet âge. In this age. Il ne pouvait pas venir. You will never come. Disons que la pluie de l'arrière saison, the rain of the, ne pouvait pas encore venir, will never come. Quand les gens avaient pensé qu'avec l'âge pentecôtiste, when people had c'était déjà la pluie de l'arrière saison. When people in Pentecost thought it was la pluie de l'arrière saison. Il dit que ça ne pouvait pas être cela. He said it's not that. Parce que because cette pluie là, the letter rain, cette pluie là, because that letter rain. C'était la pluie de l'enseignement. Because it was the rain la pluie de l'enseignement. The rain of et teaching. L'enseignement comment il est venu? And how the teaching came? Par l'ouverture de cette sorte. In the opening of ce livre ici. This book here, que nous voyons descendre dans Apocalypse 10. In Revelation chapter lorsqu'il est brisé. When it's open. Lorsqu'il est brisé. When it's open. C'est la pluie de l'enseignement. Is the rain of c'est pourquoi je vous ai dit, mes amis, the reason why I told que l'arc-en-ciel, that the rainbow, l'arc-en-ciel, the rainbow, pour qu'elle puisse se former, for it to be formed, nous avions besoin de deux éléments. We have, we need quels sont ces deux éléments? What was it? La pluie, the rain, et le soleil, and the sun. Maintenant, now, la pluie est venue. The rain came. La pluie est venue. The rain came. La pluie de l'enseignement. The rain of teaching. La pluie de l'enseignement. The rain of teaching. La dernière pluie. The last. Heaven. The later rain. Nous avons les livres des sceaux. We have. Nous avons tous les mystères révélés. Nous avons été enseignés. We have. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en plus de cette pluie? Now, what we need? Il nous faut. We need. La lumière du soleil. We need the light et of quel the sun. Est ce soleil là? What is the sun? Christ. Is Christ. C'est lui qui descend. Amen. Et lorsqu'il descend. And he's trying la parole the word qui est dans votre cœur. Which is in your et lorsqu'il le frappe in your heart, la parole dans votre cœur, qu'est-ce qui se reflète? What is going on? Les sept couleurs. Les sept couleurs. Voilà ce qui doit se refléter. You see what's going to be voilà ce qui doit se refléter. You see what's going lorsque Christ, when Christ frappe sur la parole, strike et the sur cette parole upon est God. Dans vos âmes. Vous allez refléter. You're gonna reflect les sept couleurs. The seven. C'est pourquoi je vous ai dit. That's the reason why I told tel you. Qu'il est. The way he is. Tel qu'il est. The way we are. Il était qui? Who was la it? Perfection. It was the perfection. Et cette perfection. And that perfection. Aujourd'hui. Today. Se trouve dans l'épouse. Is in the bride. Regardez mes amis. Watch my friends. Dieu vient. God comes. Donne le troisième poule. He gives the après vraiment. To Panama. Il regarde. Il doit aller pêcher. He went to la carpe. To fish. La carpe par cette couleur. To fish the rainbow fish. Quelle couleur? Les mêmes couleurs. Yeah, et la carpe c'était quoi? And the rainbow c'était vous rainbow et moi. What was it? Si nous sommes en Christ. If we are si nous sommes son épouse. If we have, vous we voyez que cette carpe. You see that et là cette couleur. Et là, cette couleur, you see that rainbow strong comme, has seven colors, comme Dieu lui-même, as God a cette couleur, as seven colors, tel qu'il est, the way he is, tel nous sommes, the way we are, tel qu'il est, the way he is, tel que nous sommes, the way we are. Mais à moins and que cette parole that entre dans votre âme, que nous reste en vous, get in que nous soyons vivants en vous, live in you, à ce moment-là, sa lumière, his life, peut nous refléter au travers de vous. Pour terminer mes amis, pour terminer mes amis, votre prophète dit, your prophet said, Dieu, God, dans Apocalypse, in Revelation, quand il parle à l'âge, when is he speaking to the age of il le regarde comme ça. Was il le regarde comme ça. He voit la condition. Il saw the condition. Mais ces gens. Is it all those people? Je veux quand même vous donner une solution. Okay, I'm gonna. Je veux quand même vous donner une solution. Je ne veux plus prendre beaucoup de temps pour développer ça. I don't want je vais juste brièvement dire ceci. I'm gonna say il le regarde. Il dit la solution que je vous donne. He said the answer. Venez à moi. The solution I'm gonna give you. Venez à moi. Come to me. Faire quoi? To do what? Acheter de l'or. To buy the gold. Il ne dit pas. He doesn't say. Venez prendre de l'or. Come and take the gold. He said, venez acheter. Come and buy. Ça veut dire quoi? What does that mean? Il veut
He wants to treat c'est with him. C'est un business. It's a business. Nous traitons maintenant avec lui. It's a hard way. We are having business with God. Mm. Or Lord, yeah, God, c'est le caractère. God is le caractère semblable à Christ. God is a character. Le caractère semblable à Christ. The character of Christ. Qui s'obtient. Which we obtain au moyen in the, by the means tribulation, by the means of tribulation, affliction, difficulties. Dieu doit vous tailler. God must. Dieu doit vous tailler. God must shape parce que le caractère, because the character, ce n'est pas un don. It's not a gift. Il dit ici. He said, if you come and buy, je pas vous donner I'm not going to give you je ne vous donne pas gratuitement. I'm not going to give you money. We have vous to devez acheter de moi. We have, you have to buy. Vous devez combattre. You must. Vous devez you faire must fight. Pour avoir you must fight to get parce the ce n'est pas un don. Because you mais good. C'est une conquête. It's pour être un chrétien. It's a battle. Pour to refléter. To reflect, pour refléter. To have les sept couleurs. Être comme Dieu. To be like God. Il y a quelque chose you must que vous devez aussi faire. Must, pour combattre. Pour avoir le caractère. To fight parce que le prophète de Dieu dit. Because the prophet of God nous says, sommes venus dans le monde. We came in this world nus. Physiquement. Nous sommes venus nus. We came mais quand nous retournons, but when we go nous back, ne retournons pas nus. No, we don't back, nous devons emporter quelque chose. We get it good nous devons emporter quelque chose. We must take something. Et quelle est cette chose? What that thing is? Le caractère. The character. Le prophète de Dieu dit. The prophet of God said. Dans l'âge de la Odyssée. La seule chose. The only thing. Qu'il va vous présenter devant Dieu. Present avec laquelle vous allez vous présenter devant Dieu. Which is God. C'est le caractère. The character. Le caractère. The character. Semblable à celui de Christ. The character like Christ. Pour que. For that, tel que lui il est, for that the way he is, vous aussi vous puissiez être. You also que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Seven colors like God. Amen. And today, oh, like he said, that the only way for God to share his eternal life is through the human flesh. Amen. And today, but I want to say that I'm a man, but I'll never give life with my head. Amen. Jesus is the head of the church, but the church is the body. Amen. We give life with our body. Also, God, if God doesn't come in the human body, he will never give life. Yeah. Praise God. In Revelation 10, he came to reveal himself as a judge. Yeah, amen. So, he was the Son of Man, the Son of God, through the seven church ages. He came to manifest himself in the human flesh as a Son of Man. And after that, he came down as a judge. But I want to say that he was doing intercession through the seven church ages. And after that, his belt is no longer on the loin. His belt is now on the chest. What is that? He said he is the judge. And when he comes, as the word of God, the word of God said, the saints will judge the earth. So we see the seven colors rainbow reflecting itself in the bread of Christ. Now the bread of Christ become God in the human flesh. So today you never receive life outside of
the bride. Amen. And Brother Branham said, the only place where God placed the name for the worship is in the bride. Amen. And Brother Branham said also, the temple of the millennium, which is going to be used for the millennium, is the bride of Christ. Mm. Because Jesus, when he was standing before the temple, he said, destroy me this temple. Yes. Because the temple was a man, Jesus, walking. And today, you and me, we become the temple where God, the seven colors, is living. Yes. Praise God. Yes. Amen. Amen. What a phenomenon. You know what I'm saying? This brother here is a teacher. This is a teaching. The way it was going, I know that he escaped so many things, but he's a teacher. It was so wonderful. Just a blessing. Amen. Amen. God bless you. Yeah. Amen. I don't want to add so much things there, so I want you to say in that spirit. So it's a wonderful brother. I'm sure that one day it's going to come back again. Amen. God bless you. Amen. Let us sing. Jesus the light. Jesus the light of the world. Praise be to God. Thank you.
Yeah.
Lord Jesus Christ, our God, we praise you, Lord, for this wonderful time here. Thank you for speaking to us, Lord. Once more, thank you for sending us this message which came to be manifested in the human flesh, Lord. Father, we do believe that when Brother Barnum was preaching, it was yourself sharing your eternal life with your people. Father, today we know that we have that eternal life. There's no way for us to die anymore, Lord, because we are living eternally in you, Lord Jesus. Father, through this wonderful message, Lord, we are overcomers, Lord. We overcame, Lord, the denomination, Lord, because we are in contact with yourself. Lord, you made us in your own likeness, Lord, until, Lord, we became one with yourself. Father, we praise you, we love you, Lord, we glorify your mighty name, Lord. As, Lord, we reach the end of our meeting, Lord, please, Lord, be our protector the way you was when we came in this place. Father, let all glory be to you, Lord. Bless, Lord, Pastor Antoine, Lord, and his church as well, Lord. Bless also his family. Bless all the congregation, Lord. As we ask it in the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray and we say, Amen. 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 God bless you. Therefore, Brother Clement, we have our offering box. We just keep it back there. So if you have something, feel free to put it there. Amen. God bless you. You are dismissed in the name of Lord Jesus Christ. Amen. God